The international system is facing accelerated transitions as competition between the great powers intensifies. Join this important dialogue with the Kingston Consortium on International Security. Good morning and welcome to the Kingston Conference on International Security. Bonjour et bienvenue à la conférence de Kingston sur la sécurité internationale. Je m'appelle Wendy Kovacs, je fais partie des stagiaires qui travaillent ensemble et c'est le colonel Rainer Kowalski qui va présider la séance de demain. Avant de commencer, j'ai quelques points techniques à communiquer. D'abord, je vous invite à couper la sonnerie sur vos appareils électroniques, mais si vous voulez partager votre expérience sur les médias sociaux, n'oubliez pas de mettre le mot-clé The KCIS, mot-clé KCIS Grand Nord. Les sorties de secours sont dans le fond à gauche. Ce sont des escaliers qui descendent. On ne peut pas monter l'escalier. Il faut descendre l'escalier. Les salles de bain sont juste à côté des ascenseurs dans le hall, à côté de la table d'inscription. On va prendre des pauses au cours de la conférence. On vous servira du café. Ne vous inquiétez pas, même si on en a manqué ce matin, on en aura plus tard. La conférence sera diffusée par vidéo. Alors, prenez conscience de la position des caméras pour ne pas les bloquer et veuillez faire de courtoisie aux gens qui vous entourent. Le repas sera servi au bout du couloir, là où vous avez eu le petit déjeuner ce matin. Nous avons un service de traduction simultanée. Si vous avez besoin d'un écouteur, allez à la table du service audiovisuel au fond de la séance. Il y a une période de questions après chaque panel, une fois que tous les panélistes auront terminé. On aura des assistants dans la salle avec des micros qui se promèneront. Alors, il suffit de lever la main pour que quelqu'un vienne vous porter un micro. Si vous n'avez pas de micro, c'est très difficile de vous entendre pour les gens qui sont branchés à distance. Les gens qui sont branchés par Zoom pourront envoyer des questions par écrit qu'on va communiquer aux panélistes. Là-dessus, je vais commencer. L'animateur aujourd'hui, c'est la Dr. Stephanie von Kackley, qui est la directrice du Centre international pour la politique et la défense. Elle est maintenant doyenne de la faculté des arts et sciences à l'Université Queen. Alors, bienvenue, Madame von Kackley. Merci beaucoup. Je m'appelle Wendy Tokach pour les mots d'introduction. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'être ici devant cette salle. L'aînée Wendy Phillips du Bureau des initiatives autochtones de l'Université Queen's est malade. Alors malheureusement, elle ne sera pas parmi nous ce matin pour faire la bienvenue sur le territoire. Nous allons faire une reconnaissance du territoire et une invitation à la conférence. Je suis ravi de partager la scène ce matin avec la brigadière générale Janet Brickhead. Alors, pour commencer, nous sommes sur les terrains traditionnels Anishinaabe et Haudenosaunee pour reconnaître la terre. Ça revient à reconnaître l'histoire de ce territoire, de ces peuples qui sont antérieurs à l'arrivée des colons. Nous reconnaissons aussi l'importance de ce territoire pour les peuples autochtones qui ont vécu et qui continuent d'y vivre, pour leurs pratiques et leur spiritualité qui sont reliées au territoire. C'est l'entrée d'automne à l'Université Queen's et si vous entendiez le discours de notre chancelier, l'honorable Murray Sinclair, le président de la Commission sur la vérité et l'éducation, il vous dirait que l'éducation est la clé de la réconciliation. Il nous a dit que c'est l'instruction qui nous a mis dans ces problèmes, c'est l'instruction qui nous permettra d'en sortir. En tant que professeur, étudiant, membre du personnel de l'Université Queen's, nous tenons ces mots à cœur.
Les terres autochtones sont au cœur du sujet de cette conférence. Quand on parle de la concurrence dans le Grand Nord, le fait qu'on écoute les points de vue autochtones et leur savoir ancestral, ça approfondit notre sentiment de sécurité et ça fait partie du défi qu'on vous lance ce matin comme conférencier, participant. Et à mesure que la concurrence internationale s'accroît, on vous invite à imaginer un monde circumpolaire sûr et sans danger. Vous verrez, en jetant un coup d'œil au programme, que l'étude de la situation internationale ne s'imite pas aux grandes puissances. Ça inclut aussi les habitants, la diplomatie, le développement, un écosystème très fragile et des communautés résilientes. Il est essentiel de trouver un équilibre entre ces facteurs, c'est complexe, et voilà pourquoi nous sommes si nombreux aujourd'hui. Et merci de vous présenter si tôt le matin. La conférence de Kingston sur la sécurité internationale est une plateforme idéale pour des échanges sur un sujet aussi important. Il s'agit d'une démarche de collaboration qu'on a célébrée hier soir lors de la réception. C'est un consortium de partenaires incluant le Centre de Queens pour la politique et la défense internationale, le Centre de formation et de doctrine de l'armée canadienne, l'Institut de stratégie internationale américain. Ce partenariat international est visible dans le programme et c'est grâce à ce réseau que nous mobilisons le savoir-faire, les compétences de militaires et de civils, de chercheurs, des gens de la société civile et du secteur privé. Maintenant, je suis ravi de vous présenter la brigadière générale Janine Burkhead. La générale Burkhead est la commandante de la Garde nationale du Maryland et est aussi commandante adjointe des affaires des réserves au Collège militaire américain. Après avoir détenu plusieurs postes de commandement, la brigadière générale a été directrice des affaires législatives pour la Garde nationale du Maryland. Sur le plan de l'expérience opérationnelle en 2004, elle a mobilisé l'OIF. Elle était responsable de la détention des combattants ennemis. En 2011, elle a été déployée comme responsable d'une force à Kaboul. En janvier 2021, on lui a demandé de diriger un groupe de travail spécial commandant plus de 15 000 soldats. À la fin de cette affectation, le gouverneur lui a demandé de diriger le premier groupe de travail sur la vaccination. Elle a de nombreuses décorations. Vous trouverez sa bio dans le programme, notamment la Légion du mérite, la médaille de mérite militaire et plusieurs autres distinctions. À titre de civil, Mme Burkhead est conseillère principale pour le Bureau de l'administration des affaires indiennes au ministère de l'Intérieur à Washington. Je vais maintenant vous souhaiter la parole, Mme Burkhead, pour entendre ce que vous pensez de ces défis qu'on lance aux conférenciers et aux participants. Bonjour. Merci. Madame, d'avoir souligné l'importance et l'opportunité de cette conférence pour célébrer la diversité des points de vue et des gens qui sont devant nous. Il faut entendre toutes les voix. Nous sommes heureux de représenter le Collège militaire américain, le Major général David Hill. Nous sommes très heureux de participer à ce rassemblement. Je suis fier qu'on se rassemble pour examiner l'Arctique comme défi et comme occasion. Je suis fier que notre Institut d'études stratégiques ait fourni des analyses géopolitiques qui éclairent la stratégie militaire américaine. Depuis 60 ans, l'Institut d'études stratégiques et le consortium de Kingston sur la sécurité internationale ont joué un rôle exemplaire en matière de dialogue international et de coordination entre les États-Unis et le Canada pour examiner des questions cruciales. Notre dialogue cette semaine jette les graines du changement. J'aimerais parler de nos rôles et responsabilités
lors de cette conférence. Dans une conférence de ce genre, les orateurs ont réfléchi, ont fait des études pour vous présenter des renseignements nouveaux, des points de vue nouveaux qui influenceront votre vision de la sécurité économique, la sécurité nationale, la sécurité environnementale et la défense de l'Arctique. Et nous, les autres, on va poser des questions, on va représenter nos champs d'études, nos organismes et nos nations au cours des discussions. Il est clair que nous allons rédiger des rapports pour nos états-majors. Et pourtant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ces rôles ne sont que le point de départ, la base de nos responsabilités. J'espère que ces discussions vont vous inspirer, vont tous nous inspirer à réfléchir à ces questions et surtout à continuer de communiquer au sujet de ces buts, et défis et opportunités. On n'atteindra peut-être pas de consensus aujourd'hui, mais nous incarnons le changement en réfléchissant à ce qui pourrait exister. Nous nous sommes déjà réunis pour parler des changements dans le Nouveau Monde, dans les Amériques. En Afrique, des grandes puissances veulent accéder aux ressources naturelles et aux opportunités économiques. Aujourd'hui, la concurrence entre les grandes puissances en Asie centrale se poursuit. La Chine construit des routes, des raffineries, des lignes électriques. Et toute cette initiative de la route de la soie. La Russie poursuit les stratégies du 19e siècle avec des bases militaires, des barrages hydroélectriques, et ainsi de suite. Et en se tournant vers l'avenir, dans la zone de l'Arctique, nous devons tirer des leçons des erreurs du passé pour chercher des occasions économiques qui profitent aux habitants de la région au moins autant qu'aux investisseurs. Est-ce que nous croyons que nous pouvons partager des occasions, partager une sécurité économique, militaire? Est-ce qu'on peut changer le fil de l'histoire? Nous sommes confiants. Nous avons confiance dans le pouvoir de la sécurité intégrée pour soutenir de nouvelles voies de développement partagé. Il n'est pas facile. Ce n'est pas facile à défendre devant les contribuables, les élus et les investisseurs. Il y a toujours eu des tensions entre les impératifs pratiques de la sécurité internationale et les idéaux de coopération internationale. Nous le savons très bien. Voilà pourquoi je vous demande instamment de réfléchir sérieusement à ce que vous allez entendre ici cette semaine pour poursuivre les débats au sein de vos propres organismes, dans vos articles, dans vos interactions avec les décideurs. Franchement, il faudra énormément d'engagement en matière de partage pour renoncer à notre intérêt personnel. Est-ce que l'Arctique deviendra une zone d'affrontement militaire ou est-ce qu'on prendra les décisions nécessaires et feront les choix difficiles pour en arriver à une véritable coopération internationale? Comme beaucoup d'entre vous, j'ai consacré ma carrière à défendre la sécurité des Amériques, comme officier de l'armée, comme employé civil du ministère de l'Intérieur. Je suis très consciente des défis que nous avons devant nous. Si on regarde à long terme, on sait que la sécurité environnementale est très liée à la sécurité nationale. Nous savons maintenant que le respect de la sécurité humaine et la sécurité économique sont inséparables de la sécurité nationale. Chacun d'entre nous est polyvalent ici. Parmi nous, il y a des humanitaires, des scientifiques, des stratèges, des joueurs, des analystes. Nous avons toutes sortes d'intérêts, toutes sortes de passions. J'espère que vous conclurez que le défi vaut que vous y consacriez votre intérêt, votre passion. En remettant en question les idées reçues, en réfléchissant à l'avenir pour l'Arctique, nous avons besoin de tout cela, tous ensemble. Merci, Madame Burkett,
d'avoir cerné ces questions essentielles. C'est très important pour cadrer nos discussions ici entre nous, mais aussi pour le travail qui va en découler dans le couloir. Vous avez noté que nous avons des publications du KCIS et c'est ce que nous essayons de faire, c'est de concentrer les résultats de ces conférences dans des écrits. Nous sommes prêts à plonger dans le vif du sujet, mais j'aimerais prendre une seconde pour résumer ce qui s'est passé depuis un an lors de la réception d'hier soir au mess des officiers. Je vous ai dit que nous planifions ces conférences, ça prend un an en fait, et c'est toujours difficile de trouver un thème qui sera pertinent un an plus tard. Je crois que dans ce cas-ci, cette idée de la concurrence internationale dans le Grand Nord est tout à fait d'actualité et ce n'est pas pour des raisons heureuses, mais prenons une pause pour réfléchir à ce qui s'est passé. Non seulement le monde se relève-t-il d'une pandémie mondiale, mais il y a une guerre conventionnelle qui fait rage en Europe, même si c'est dans une région tout à fait différente que celle qui nous intéresse ici. Le fait que cette guerre soit en cours change notre perception de la sécurité dans le Grand Nord et dans l'Arctique. Pour nous, l'Arctique n'est pas une simple région géographique, mais un microcosme qui reflète la concurrence entre les grandes puissances. Ce qui s'est passé depuis un an a aussi amené les alliés de l'OTAN à resserrer les rangs. Et c'est d'autant plus important que l'Institut du NORAD fait partie des organisateurs de cette conférence. Il y a maintenant la Suède et la Finlande qui s'associent à l'OTAN, qui rassemble maintenant 32 alliés. Et ce que ça signifie pour notre thème, la concurrence dans le Grand Nord, c'est qu'on a cette nouvelle grappe d'alliés circumpolaires au sein de l'OTAN, ce qui est important de garder à l'esprit. Comment est-ce que le Canada, par exemple, se positionne-t-il au sein de l'Alliance maintenant? Je crois qu'on peut s'attendre à ce que ça va changer l'approche de l'OTAN en matière de flanc nord. Le Collège de défense vient de publier justement un document à cet égard. Et c'est intéressant aussi du point de vue canadien, c'est que notre pays a toujours voulu éviter de parler de la sécurité de l'Arctique dans le contexte de l'OTAN, et je crois que ça va changer. La visite du secrétaire général dans le Grand Nord canadien est un signe qui va dans ce sens. À mesure que le Canada investit davantage dans les capacités du NORAD et commence à penser avec un peu plus d'ambition en matière de défense nationale, il a l'intérêt de le faire non seulement pour améliorer la sécurité de l'Amérique du Nord, mais comme contribution visible à la sécurité transatlantique. Au Canada, la sécurité du Nord est une priorité comme jamais auparavant. Cela suscite beaucoup plus d'attention au sein du gouvernement. Je suis heureux qu'on ait des représentants canadiens, autant civils que militaires, dans la salle qui auront leur mot à dire. Au cours des deux prochaines journées, nous pourrons justement réfléchir aux questions soulevées par la brigadière générale Janine Burkhead. Utilisez les micros dans la salle, utilisez Twitter si vous préférez. Il y en a beaucoup de gens qui se joignent à nous à distance. Alors, je souhaite à tous et à tous une excellente conférence et merci beaucoup d'être parmi nous. Next will be Brigadier General. Nous allons maintenant accueillir le brigadier général Todd Strickland du Collège des Forces armées canadiennes qui va présenter notre conférencier. Pardon. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant que je présente M. Hyder, je vous invite à vous joindre à moi pour féliciter l'équipe de l'Université Queen's qui a fait un travail excellent pour organiser cette conférence. Si vous voulez bien l'applaudir avec moi. Les applaudir avec moi.
et je reconnais que c'est beaucoup plus que Maureen qui a organisé tout cela. Il y a toutes sortes de gens, des militaires, des civils, l'Université Queen's, les gens du Collège militaire qui ont mis la main à la pâte, mais Maureen, vraiment, c'est sa passion. Ceci dit, le jour où je suis le commandant du Collège des forces canadiennes à Toronto, je passe beaucoup de temps à préparer nos étudiants, des cadres moyens supérieurs, leur permettre d'élargir leur point de vue. Et mon rêve, c'est que nos élèves sortent de leurs études avec l'esprit ouvert. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui amène au moins 7 points de vue très différents face à tout problème. Je parle de M. Goldie Hyder, qui est à la fois un entrepreneur, un rédacteur de politique, un stratège, un dirigeant, un philanthrope, un partisan du bénévolat et aussi un universitaire parce qu'il a une maîtrise de l'Université de Calgary en politique publique de 2014 à 2018. Il était le président et le PDG de Ill-Known Strategies. Il était conseiller en communication. Il est aussi directeur des orientations et chef de cabinet d'un ex-premier ministre, M. Joe Clark. Il a travaillé au sein de nombreux organismes de charité, notamment la Fondation Asie-Pacifique des dirigeants d'entrepreneurs. Il siège à des comités consultatifs pour Catalyst Canada, le Club 30%, il est membre du CA, de l'organisme A Seat at the Table, et aussi co-président de la campagne Centraide d'Ottawa. Il est vraiment bien placé pour commenter la concurrence dans le Grand Nord. Sans plus attendre, M. Hyder. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Je vais commencer par quelques points de base. D'abord, j'aimerais remercier mon ami Hugh Siegel. Enfin, je ne le vois pas, je ne crois pas qu'il est ici. Il m'a déjà entendu parler de la Corée l'autre jour. Je suis donc très reconnaissant. Deuxièmement, merci à vous tous pour tout ce que vous faites. Votre travail est très important et nous l'apprécions beaucoup. Je le dis au nom de tous les Canadiens. Et même s'il passe inaperçu très souvent, mais personnellement, je tiens à vous en remercier. Troisièmement, je tiens à dire que je fais partie des gens qui étaient privés de café ce matin, et c'est une urgence nationale en ce qui me concerne, parce que ça signifie que je peux toujours dire que je n'étais pas drogué quand j'ai parlé aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir m'excuser pour ce que j'ai dit. Mais sérieusement, pour suivre ce qu'a dit Madame Birkhead, c'est comme si on avait discuté, et je suis tout à fait d'accord, ce qui est toujours très bien quand ça se produit. Mais du point de vue très général, ce qu'on constate comme entrepreneur et comme Canadien, c'est très simple. En fait, en un mot, le mot a changé et nous n'allons pas retourner en arrière. Si on attend pour que ça se rétablisse, non, ça ne se produira pas. Il y a un changement fondamental qui a eu lieu. L'ancien conseiller démocrate de Bill Clinton a dit « Il est temps de trouver un nouveau sérieux ». Je suis tout à fait d'accord avec lui. Le niveau des échanges qu'on a depuis 30 ou 40 heures nous a permis de nous éloigner des menaces qui existent dans le monde. Et aujourd'hui, on voit qui sont les gens sérieux et qui sont les gens qui ne le sont pas. Et moi, je crois qu'on fait partie des gens sérieux. Notre sécurité nationale, c'est un problème économique aussi pour les entrepreneurs. S'il n'y a pas de sécurité nationale, ça sera très difficile d'avoir une économie prospère. Le Nord lui-même, et j'ai parlé à des gens qui le connaissent très bien, c'est que le changement climatique rend le Nord plus accessible, le passage du Nord-Ouest, évidemment. Quand votre voisin sont la Chine et la Russie qui augmentent leur présence,
c'est un corridor commercial et les États-Unis eux-mêmes, notre voisin, veulent l'utiliser. C'est important que le Canada affirme sa souveraineté. Il ne s'agit pas d'eau internationale, il s'agit d'eau interne, d'eau canadienne. Et nous devons veiller à pouvoir défendre ce territoire maritime. On ne peut pas prétendre que quelque chose est à vous si vous ne pouvez pas contester les gens qui veulent empiéter sur ce territoire. Donc, il faut pouvoir affirmer cette souveraineté et avoir la capacité de la défendre. Il faut profiter des voies commerciales qui s'ouvrent. C'est très rentable pour nous de passer par la baie d'Hudson. Donc, le monde se concentre sur l'énergie aujourd'hui. Partout où on va, on parle de ça. Pensez à l'attention qu'a reçue le Canada depuis 6 ou 8 semaines, le chancelier d'Allemagne, le vice-chancelier d'Allemagne, le président de la Corée, une délégation du Japon. Ursula, la présidente de l'Europe aussi, qui devait venir, qui va venir bientôt. Depuis combien de temps est-ce que le Canada a reçu autant d'attention, autant d'amour? Ça fait très longtemps. Et il y a une bonne raison pour cela, c'est que nous avons ce que veut le monde. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Malheureusement, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les infrastructures nécessaires. Nous n'avons pas investi dans l'infrastructure du Nord. On parle bien, on a des beaux discours, mais agir, c'est un peu plus difficile. Et il faut être sérieux. Si on fait des affirmations en matière de souveraineté, il faut pouvoir défendre cette souveraineté. Il faut montrer que le territoire nous appartient bien. Ce n'est pas simplement quelque chose dont on doit continuer à parler pendant 10 d'années. Il faut absolument engager les machines. Et bon, il y a le gouvernement conservateur en a parlé, parce qu'on parle d'une région où il y a peut-être 3 ou 5. Donc, le Grand Nord, malheureusement, est très mal représenté au gouvernement. Mais nous avons une obligation fiduciaire en tant que chef du pays, et c'est d'assurer la sécurité nationale. Et sinon, on est responsable des conséquences qui s'en suivent. Alors, si on ne bâtit pas l'infrastructure, et c'est ça un peu le problème, nous nous exposons à ce genre de problème. Donc, le Canada est un pays qui est fortement engagé dans le commerce international. Mais si on ne peut pas acheminer nos produits au marché, aux clients, les clients vont aller ailleurs. Et j'y reviendrai justement dans un instant dans mes remarques. Mais je voulais simplement vous faire la preuve que c'est exactement ce qui se passe parce que nous n'avons pas augmenter notre infrastructure et aussi l'infrastructure énergétique. Nous n'avons pas la capacité de le faire actuellement. Donc, les gens ne pourront pas s'installer. Parce que si on ne peut pas chauffer, éclairer les installations que nous avons, personne ne viendra. Et je crois aussi, et c'est le cas des membres du Conseil canadien des affaires, qui représentent peut-être 175 PDG, plus de 2 millions d'employés, le directeur de la Bourse de Toronto, et ainsi de suite. Donc, ces gens exploitent ou dirigent des entreprises canadiennes ou des filiales canadiennes et veulent s'assurer que le Canada fait sa part dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est donc une grande priorité pour la communauté des affaires parce que c'est une priorité pour nos clients. C'est la chose qu'il faut faire et il faut que nous soyons chefs de file parce qu'au bout du compte, c'est le gouvernement qui formait la politique étrangère, n'est-ce pas? Donc, nous devons exécuter la politique. L'innovation en matière de changement climatique doit venir du secteur privé. C'est la capture du carbone, les micro-centrales nucléaires et ainsi de suite. Donc, il faut absolument créer un milieu où l'infrastructure existe. Mais pour avoir l'infrastructure, il faut aussi un environnement où le capital peut agir et s'impliquer. Et ça, c'est une composante très importante. Donc, si on se préoccupe du climat, il faut s'assurer que l'on crée un cadre politique qui permet au capital de se réunir et aussi d'encourager l'innovation.
La plupart des gens qui ont pris un engagement par rapport à la carboneutralité d'ici 2050 n'ont aucune idée comment ils vont s'y prendre. Alors, ils ont fait des promesses, mais ne savent pas comment s'y prendre. Beaucoup vous diront avec candeur qu'ils ont le savoir-faire aujourd'hui pour réduire les émissions d'à peu près 50 %. Donc, peut-être qu'on atteindra les cibles de 2030 et 2035. Mais comment allons-nous faire pour le 50 % qui reste? Personne ne sait. Et les gens vous diront franchement, si vous posez la question, on compte sur la castration du carbone et des microcentrales nucléaires et la fusion et ainsi de suite. Mais, et donc, les petits réacteurs nucléaires peuvent remplacer le diesel, par exemple, pour générer de l'électricité dans le Grand Nord. Ce sont donc des petites centrales nucléaires et qui sont en voie de développement actuellement. L'hydrogène, évidemment, est aussi une autre façon de briser notre dépendance sur les combustibles fossiles. Et sur le point de vue de la sécurité économique, pour avoir la sécurité économique, il faut absolument augmenter consolider la structure, l'infrastructure. Et c'est ça, évidemment, la première tâche du premier ministre, c'est d'assurer la souveraineté des eaux canadiennes, que personne ne peut venir extraire nos minéraux ou pêcher notre poisson. Mais ce n'est pas politiquement populaire, parce que les gens voient ça comme un choix. Oui, mais qu'en est-il de mes ponts, mes routes? Alors, il faut nous assurer que le discours politique crée l'espace nécessaire pour qu'on puisse aborder ces questions d'intérêt national qui sont en fait primordiales, qui est la protection donc de notre souveraineté. Et si on ne peut pas présenter le problème comme étant quelque chose qui doit concerner tout le monde, y compris Martha et Henry à Kingston, nous n'aurons pas le vote nécessaire, le soutien nécessaire pour y arriver. Alors, c'est important d'expliquer à la population canadienne l'importance de la protection de notre souveraineté. Parce que personne n'aura à s'inquiéter des ponts et des chaussées si des intérêts étrangers peuvent nous enlever nos droits dans les eaux de l'Arctique. Alors, il faut croire que, justement, nous avons tous notre rôle à jouer, le milieu universitaire, le milieu de la recherche, le gouvernement et l'entreprise. C'est important de communiquer tout. Alors, la raison pour laquelle j'arrive à dormir la nuit, en dépit de tous les défis que nous vivons, c'est que j'ai vraiment confiance dans la sagesse cumulative ou commune des Canadiens. Et si on leur donne des faits, si on leur pose des bonnes questions, même s'ils n'ont jamais réfléchi à la question auparavant, si on leur donne l'occasion de se réunir, comme on le fait dans ce forum, et de parler, je vous garantis que les Canadiens arriveront à la bonne réponse. Je n'ai jamais été déçu dans ce sens et je pense que si on implique davantage les Canadiens à ce genre de problématiques, vous allez augmenter le soutien populaire et débloquer aussi le soutien dont on a besoin au niveau des entreprises et cela créera des forces convergentes. Alors, ce qui m'amène à parler maintenant des normes internationales. Alors, nous sommes très convaincants lorsqu'il s'agit de faire des promesses à nos alliés. Mais nous ne donnons pas suite à nos promesses. Donc, il faut faire mieux par rapport à ce que nous promettons à nos alliés de l'OTAN. Alors, nous avons beaucoup insisté sur la compétitivité commerciale des entreprises. Et en fait, dans le dernier budget, dans une lettre spéciale à la ministre Freeland, parce qu'évidemment, la guerre... Nous avons écrit une lettre à la ministre Freeland en disant, vous savez, nous serons jugés par la manière dont vous allez réagir à cette menace et est absolument que l'on augmente nos dépenses militaires. Et moi, j'ai toujours insisté pour le contraire, qu'on n'augmente pas les dépenses gouvernementales. Mais est-ce sage de ne pas investir dans notre propre engagement pour faire partie d'une organisation qui va assurer notre sécurité? Et c'est son premier but, n'est-ce pas, quand on parle de NORAD et de l'OTAN. Alors, nous avons donc suggéré au ministre des Finances d'augmenter les dépenses militaires et aussi de démontrer que nous suivons la trajectoire du 2% et que ça fasse partie de l'examen des programmes. Et c'est exactement ce qui a été annoncé dans le budget. Donc, 6 à 9 milliards pour la défense et nous allons donc créer des économies en revoyant les programmes de l'ensemble du gouvernement.
Ce qui veut dire qu'on a maintenant la possibilité d'ajouter de nouvelles dépenses à mesure que l'économie continue à grandir et que les recettes du gouvernement continuent à grandir grâce à la hausse du prix du pétrole. Donc, vous pouvez voir pourquoi il est important d'avoir une conversation sérieuse sur le changement économique, la sécurité nationale et la sécurité internationale, parce que les trois sont interreliés. Et je peux aussi vous dire que j'arrive de Washington, et la ministre Freeland a donné son discours hier, et si vous ne l'avez pas entendu, je vous encouragerai de lire. C'était un discours qui était vraiment très sérieux et inspirant pour les démocraties dans le monde quant à la manière dont on doit réagir à ce qui se passe actuellement. Mais il faut évidemment que ces paroles soient étayées par des actions. Donc, l'investissement dans la sécurité nationale, la cybersécurité et l'infrastructure militaire et l'infrastructure civile aussi. Donc, c'est encourageant que nous avons commencé ces conversations. Quand je suis à Washington, ce que j'entends, c'est qu'ils veulent parler de commerce et de défense. Donc, c'est pour eux donc un point sensible, c'est clair. Ils ont vraiment l'impression que le Canada prend les États-Unis pour acquis. Et parce que nous sommes voisins des États-Unis, que nous n'avons pas à nous inquiéter parce que les États-Unis vont s'occuper de tout. Alors, c'est pas si vous ne laissez, mais nous avons un devoir fiduciaire, on ne peut pas simplement se contenter de. Et donc, les Américains nous le reprochent. Et c'est important de renforcer cette relation parce qu'on ne veut pas être du mauvais côté de la relation G1. Nous devons maintenir de bonnes relations avec eux. Et si la sécurité nationale et le commerce sont importants, ben c'est important justement de leur prouver que nous sommes sérieux. Donc, il y a une lacune perçue. On perçoit le Canada comme étant lacunaire par rapport à ses engagements vis-à-vis de la communauté de la sécurité nationale. Les Américains veulent que l'on surveille et que l'on protège nos propres frontières. Ils en ont déjà plein les bras à surveiller d'autres frontières. Et le président Biden nous a bien dit qu'il ne va pas céder un pouce dans l'article pour assurer la sécurité des États-Unis. Donc, il est important d'arrêter de profiter simplement de la présence des États-Unis et d'arrêter de. Alors, je reviens à l'exemple que je voulais partager avec vous. J'ai parlé tout à l'heure du chancelier de l'Allemagne, ils sont venus, et aussi le chef du Parti vert sont venus. Et ils sont venus pour parler du gaz naturel liquéfié, qui est un carburant intérimaire, qui est peut-être mieux que le pétrole ou d'autres combustibles fossiles. Et c'est une denrée qui est très recherchée partout dans le monde. Et justement, sur la côte de Kitimat, en Colombie-Britannique, nous aurons une installation de gaz naturel liquéfié qui est financée par les gouvernements étrangers pour transporter du gaz naturel liquéfié vers les pays étrangers. Mais c'est loin de partir de la côte de l'Ouest pour aller en Europe. Et donc, ce serait bien d'avoir des installations de gaz naturel liquéfié. Mais la manière dont ils ont présenté la chose, c'est dire, bon, parlons d'hydrogène. Alors, ils étaient de très bons invités, ils ont essayé d'éviter la question, mais les médias, évidemment, ont posé des questions et ils ont demandé aux panélistes, si on vous offrait du gaz naturel liquéfié, est-ce que vous le prendriez? Pourquoi? Parce que vous allez voir des vidéos absolument effrayantes cette semaine, cet hiver, pardon, de gens qui vont geler en Europe. Et il y a des gens qui me disent que faut vous rendre compte, aux États-Unis, en Europe, on va manquer d'énergie cet hiver. Ce sont des pays du G7, ce sont des démocraties. Mais il ne sera pas possible de dépasser 18 degrés. Ce sera en fait contre la loi de dépasser 18 degrés au thermostat en Europe cet hiver. Voilà l'état dans lequel nous en sommes. Donc, on ne peut pas simplement se dire, oh, ben, nous allons parler uniquement de changement climatique ou simplement de la transition verte ou nous allons investir uniquement dans les technologies d'avenir alors qu'il y a une crise, un besoin urgent actuellement. Et plus longtemps nous mettrons à réagir, plus les pays autocratiques qui fournissent du pétrole et du gaz vont être vulnérables. Alors, ce qu'on demande au Canada,
c'est avez-vous la capacité, aurez-vous la capacité, pouvez-vous développer la capacité de faire en sorte que votre gaz naturel liquéfié, qui est plus conforme aux normes environnementales, alors notre gaz, nous avons les normes les plus rigoureuses. Mais pensez-vous qu'on se pose ces questions-là en Arabie Saoudite, au Venezuela ou en Irak? Non. Alors, donc, on nous dit, non, non, on ne veut pas parler quand le président des États-Unis va au Venezuela ou en Arabie Saoudite pour avoir du pétrole, il ignore le Canada. Mais la conversation n'a pas lieu parce que la conversation a été piratée, si vous voulez, par cette crise climatique qui menace la survie de certains États. Alors, il faut absolument. Et quand on parle de transition verte, ce n'est pas qu'on va passer du jour au lendemain à une économie verte. Et il y a une transition à opérer. Et donc, il faudra que nous mettions notre gaz naturel liquéfié sur le marché. Alors, on ne pourrait pas leur donner du gaz naturel liquéfié, mais depuis ce temps-là, l'Allemagne s'est tournée ensuite vers l'Australie. Ils ont signé un contrat de 16 ans pour l'approvisionnement en gaz naturel. L'Australie est trois fois plus loin de l'Allemagne que le Canada. Alors maintenant, l'empreinte climatique ou environnementale du transport des gaz naturels liquéfiés sera trois fois plus grande. Et la semaine dernière, je pense, le pays qui est venu au Canada pour dire « Vous avez beaucoup de gaz naturel liquéfié, si vous bâtissez l'infrastructure nécessaire, on va l'acheter. » On les a renvoyés les mains vides. Quand j'étais en Corée en mai, alors normalement, je ne fais pas de commentaires audacieux dans une réunion diplomatique, mais le sous-ministre a dit que le Canada, finalement, cherche. On prétend tout le temps que nous sommes très gentils, mais là, le sous-ministre a dit, nous gardons jalousement nos énergies. Mais vous avez de l'abondance, nous disent les autres pays, mais vous n'êtes pas à même de le partager avec nous, même à des bonnes conditions commerciales. Le monde est désespéré pour les ressources et les produits que nous avons. Et le Nord et l'Arctique seront évidemment un couloir stratégique incontournable pour acheminer ces produits vers les marchés étrangers. Donc, si vous voulez aider l'Allemagne, les démocraties de l'Ouest et les pays dans le milieu, donc réduisons leur dépendance au pétrole des pays autocratiques et fournissons-les à partir de pays comme le nôtre. Alors, le Grand Nord canadien est la ligne de front de notre sécurité économique et politique. Merci. Avez-vous des questions? Je vois si le micro marche. Y a-t-il des questions du parquet d'abord? Ah, on dirait eux aussi. Oui, je n'ai pas encore vu de café. De toute évidence, personne dans la salle n'a mis son café. Et c'est là où les gens. Ben, ma foi, jamais je croirais que j'ai dit que des choses avec lesquelles vous êtes d'accord. Alors, bon, pour donner le coup d'envoi, parce que si personne ne parle, ben, je vais me lancer moi-même. La question que j'ai, donc, vous avez beaucoup parlé de dialogue, de connexion ou de l'interconnectivité ou de l'interdépendance des questions climatiques, économiques et politiques. Et le dialogue sur la sécurité nationale au sein du Canada est vraiment unilatéral. Il appartient à des praticiens qui essayent de convaincre la majorité des Canadiens qui habitent à moins d'une centaine de kilomètres de la frontière américaine que la sécurité du Grand Nord est un problème. C'est vraiment beaucoup espéré. Alors, comment créer un dialogue sur la sécurité nationale et la sécurité arctique qui interpelle la population? Oui, c'est une question importante, parce qu'avant, j'ai par le passé, dirigé une compagnie d'affaires publiques pendant 17 ans, pardon. Et justement, on s'occupe de relations avec le public, n'est-ce pas? Et ce que j'ai vu
et ce n'est pas simplement au Canada, mais ailleurs dans le monde, c'est avec la montée des médias sociaux, nous sommes maintenant privés de leadership politique. Les gens suivent. Et ça, c'est une menace à la démocratie. Alors, si ce n'est pas du leadership, si on ne fait que être le premier à attirer tout le monde pour qu'ils nous suivent. Alors, le leadership, c'est de prendre une position qui n'est pas nécessairement populaire au départ. Alors, c'est important de savoir comment construire le consensus. En fait, les médias sociaux polarisent et il n'y a rien entre le noir et le blanc, tout est tranché au couteau et personne ne peut s'entendre sur la météo qu'il fait. Alors, parce qu'on leur dit d'une part, non, il neige aujourd'hui, non, il fait soleil aujourd'hui et les gens n'y voient plus clair. Et donc, ça, c'est le premier problème, l'absence de leadership politique. Et le Canada, le deuxième problème, c'est que moi, je suis un Canadien très fier, je suis un immigrant, moi, et moi, je m'inquiète sans cesse des défis qui pèsent sur le Canada aujourd'hui et demain. Et nous sommes responsables, en tant que Canadiens de première génération, de laisser à nos enfants un pays qui est en manque sur le plan économique, social et politique par rapport à ce que les ancêtres ont bâti pour nous. Chaque génération qui nous a précédés a amélioré le sort de la génération suivante. Mais si vous regardez les questions climatiques, les questions économiques, la pauvreté, il y a beaucoup de problèmes. J'ai donné un discours à 750 enfants, pardon, à des étudiants, je suis de Calgary, mais et j'ai dit à ces nouveaux diplômés, écoutez, je m'excuse d'être aussi sérieux, mais je vais vous avouer, nous vous avons abandonné. Et parce qu'on dit, les jeunes veulent sauver la planète, mais il faut parler honnêtement de ce que cela signifie. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit, bon, d'accord, dans un monde où il n'y a pas de leadership politique, nous allons le faire. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que nous essayons de bâtir quelque chose. Deuxièmement, nous disons, qui est la voix pour du milieu radical de la population, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'extrême droite ni d'extrême gauche. La plupart des Canadiens, même qu'ils alternent entre les conservateurs et les libéraux, ils sont généralement vers le centre politique. C'est ça qui reflète mieux le Canadien moyen. Alors, nous avons toujours préservé, mais ce milieu disparaît. Je ne suis pas partisan, mais je ne reconnais pas le parti libéral traditionnel aujourd'hui, ni le parti conservateur. Alors, ils s'appellent des mouvements, mais moi, quand j'ai fait des sciences politiques, je n'ai pas étudié les mouvements, j'ai étudié les partis. Mais maintenant, ce que nous avons, ce sont des mouvements. Mais on ne peut pas. Il faut être capable de s'entendre sur les faits. Mais ce qui m'amène au dernier point. Alors, nous avons dit, alors Mohamed ne veut pas aller à la montagne, donc la montagne viendra à Mohamed. Mais on s'est dit, ben, si on ne peut pas l'emporter sur les mouvements, c'est clair que les mouvements ont le haut du pavé actuellement, et les deux côtés sont à couteau tiré. Mais qu'en est-il si on essayait de bâtir notre propre mouvement. Alors, moi, je veux rassembler la société civile dans une salle comme celle-ci, parce qu'il y a des gens comme moi qui se préoccupent du Canada, qui pensent pouvoir faire une différence et façonner la trajectoire pour l'avenir. Alors, j'ai appelé des leaders syndicaux, des membres de la société civile, des gens du milieu universitaire, aussi des groupes autochtones, des groupes LGBT, la communauté LGBTQ, des grandes entreprises, tout le monde excepté le gouvernement, n'est-ce pas? Alors, parce que ça, c'était une réunion d'abord de la société civile. Alors, première règle, on laisse de côté nos idées partisanes. C'est peu importe si vous êtes libéral, vert, rouge, bleu. Et deuxièmement, il y a des gens très, très compétents. Et j'ai dit à Lisa, écoutez, vous allez co-présider pour signifier justement que tout le monde. Et ne venez pas ici pour parler de votre patelin. Nous voulons nous adresser à la question centrale en tant que Canadiens. Qu'est-ce que nous voulons faire ou devons faire pour améliorer le sort de nos enfants?
Et là, j'ai demandé à tous ces groupes, vous avez un gouvernement qui parle de genre, de racisme, LGBTQ. Donc, ce n'est pas une question simple. 7 ans plus tard, la vie est meilleure. Non, les émissions ont diminué. Non. Plus d'égalité de genre. Non. La COVID a été beaucoup plus forte sur les femmes que les hommes. Les droits autochtones, je n'ai pas commenté par rapport à, avec la découverte des sépultures anonymes. Alors, on continue à se dire que les choses vont bien, alors que ce n'est pas le cas. Ben, c'est la définition même, c'est insensé. Alors, qu'en est-il de l'économie? Alors, quand on parle justement de l'acquisition de compétences dans les communautés autochtones, et la question d'équité des ressources aussi. Alors, toutes ces questions ont été abordées donc dans le contexte économique. On a besoin aussi de soins de garderie parce qu'on pénalise les femmes qui doivent rester à la maison et qui nous privent de leur productivité. Donc, et là, quand on a commencé à regarder les solutions, les gens ont compris, ah oui, il y a des solutions très sensées dans ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. Alors, ça s'appelle la coalition canadienne.ca. Et le site web existe dans les deux langues. Alors, c'est un exemple de ce qui arrive quand on rassemble des gens pour discuter honnêtement et ouvertement de questions réelles. Et le gouvernement nous a dit, ah, on dirait que vous voulez... Le premier ministre lui-même, le chef du conseil privé, le ministre des Finances se sont intéressés à ce que nous faisons, alors qu'ils se méfiaient de nous au départ. Pourquoi? Parce que nous avons dit, nous voulons que le gouvernement cible 3 choses. La stratégie de croissance à long terme du Canada, parce que nous n'en avons pas. Je vous l'apprends peut-être, mais ça n'a jamais existé. Et c'est pour ça que nous avons demandé justement quelque chose de semblable à DARPA ici au Canada, qui aurait été CARPA, parce que pour qu'on puisse apporter la réponse aux questions de l'avenir à long terme et cesser de toujours suivre les États-Unis. Si on veut être souverain et on veut être indépendant, il faut agir en conséquence. Deuxièmement, nous devons être un chef de file dans la transition verte pour l'ensemble du monde. Alors, ce n'est pas simplement d'arrêter d'exploiter le pétrole. On a vu ce qui est arrivé en Europe. Ils ont fermé les centrales nucléaires, ils ont fermé les centrales de charbon. Mais là, tout d'un coup, le prix de l'essence a monté en flèche et les consommateurs se sont révoltés. Alors, j'ai un PDG qui a dit, oui, il y a une transition qui se passe en Europe actuellement. On retourne au charbon. Parce que si vous regardez ce qui se passe autour du monde, il y a beaucoup de pression vers l'énergie pour adopter l'énergie renouvelable. Mais il est important d'avoir un plan de transition, de faire les choses correctement et comment faire aussi pour avoir le soutien du public et non pas leur délaisser tous les coûts supplémentaires. Et la troisième composante, c'est renforcer l'égalité, mais pas en démolissant les gens qui sont avantagés actuellement. Parce qu'autrement, on va avoir un Donald Trump au Canada. Donald Trump a donné une voix aux gens qui sont défavorisés, les gens qui croyaient justement que l'accord de libre-échange n'avait pas apporté les bienfaits qu'ils espéraient. Alors, il est important, alors l'abordabilité, la montée du coût de la vie, la qualité de vie, l'infrastructure comme les nids de poules. Alors, les gens ordinaires parlent de ce genre de choses-là. Bon, de temps en temps, ils s'intéressent aux questions internationales, mais le thème dominant, c'est... Alors, c'est pour ça que nous avons parti ce mouvement et ensuite, on a établi un bulletin. Alors, je sais que vous êtes fort pour la quantification. On s'est dit, voici, il faut mesurer où se passe le Canada. Et nous avons établi 20 critères qui ont été choisis par l'OCDE. Évalue notre position par rapport à ces 20 critères. Alors, et maintenant, on peut poser des questions. Bon, l'année dernière, vous étiez en position 12e position. Maintenant, cette année, en 14e position, qu'est-il arrivé? Alors, c'est une longue réponse, mais il est important de comprendre que je ne sais pas qui on attend, parce que c'est nous qui sommes la réponse, n'est-ce pas? Si on attend l'arrivée de Messie pour nous amener à la terre promise, nous allons attendre longtemps. Alors, c'est nous qui avons les solutions. C'est nous qui devons travailler ensemble et qui devons arrêter de nous préoccuper de nos intérêts particuliers et de penser au Canada.
Une question d'une chercheure de l'Université de Manitoba. Alors, vous êtes président directeur général du Conseil canadien des affaires. Alors, vous avez dit que le gouvernement a la première responsabilité de défendre la souveraineté de l'Arctique et que nous sommes à risque. Mais je ne vous ai pas entendu parler des populations du Grand Nord et des défis auxquels ils font face. Alors, je vous renvoie la question. Qu'êtes-vous prêt à faire pour investir dans l'infrastructure nécessaire en co-développement avec les populations autochtones du Grand Nord? Comment ces populations ou comment ces projets peuvent-ils être économiquement viables? Parce que c'est ça qui est, à mon avis, la réponse à la souveraineté. Je suis très content que vous ayez posé la question. C'est évident que c'est une responsabilité partagée. J'ai beaucoup parlé du gouvernement parce qu'au bout du compte, tout cela nécessite du capital, n'est-ce pas? Tout ce que nous voulons entreprendre dans le Grand Nord nécessite du capital. Et pour mobiliser le capital nécessaire, il faut créer le cadre. Et ce que nous avons actuellement, c'est un milieu ou un environnement dans lequel nous avons politisé les investissements étrangers et nous avons politisé le développement d'infrastructures. Et en conséquence, et justement, ce que j'ai dit dans le discours que j'ai prononcé la semaine dernière, c'est qu'on ne bâtit plus rien. On ne pourrait pas bâtir une route nationale ou un chemin de fer national. Ce serait impossible de respecter les critères qui ont été établis. Donc, quand je parle de la tâche du gouvernement, ce que je dis, c'est créer un cadre pour que le capital puisse être mis à contribution. Alors, pour ça, il faut offrir stabilité politique, cohérence réglementaire et cohérence sociale. Je pense que nous avons, la politique stabilité, peut-être pas avec les gouvernements minoritaires, mais le programme, c'est la stabilité réglementaire. Avec le projet de loi C-69, si vous commencez un projet, il peut être économiquement viable, il peut être solide sur le plan environnemental, excepté qu'il y a un risque politique qui expose les promoteurs du projet à voir leur projet mis au rencard pour des raisons tout à fait arbitraires. Donc, il y a des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à attirer le capital nécessaire, parce qu'il faudra beaucoup de capital pour envisager ce genre de le développement nécessaire. Alors, c'est pour ça que c'est important que le gouvernement ne s'ingère pas dans ces processus, et ça n'est jamais arrivé. Et le gouvernement précédent ont toujours renvoyé ces décisions au cabinet. Mais je vous pose la question, combien d'ingénieurs y a-t-il dans le cabinet? Combien d'hommes d'affaires y a-t-il dans le cabinet? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, ce serait bien de demander à des experts de prendre ces décisions, comme l'Office national de l'énergie, qui sont des gens qui ont la compétence et le savoir-faire. Alors, et l'incohérence réglementaire n'est pas nécessairement de raison pour ne pas y arriver. Les P3 sont un bon modèle et ceux avec lesquels moi j'ai interagi et sont très intéressés par le développement, sont intéressés à l'équité et veulent le faire de façon responsable, de façon sensible à l'environnement, sensible à leur culture. Et je pense que ça, c'est encourageant. Il faut développer l'infrastructure. Il y a des entreprises comme TELUS qui sont dans le Nord depuis longtemps. Ils veulent le faire en disant, on va vous remettre la propriété entre les mains, on va vous montrer comment vous débrouiller seul. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont dans le même sens. Quand on pense, on présente très mal nos propres réussite, parce qu'au Canada, on se méfie toujours, on a l'impression que, on va leur casser des sucres sur le dos, donc les gens se cachent. Moi, je crois que les entreprises canadiennes sont une force du bien. Regarde ce qui s'est passé avec les COVID. Le gouvernement a fait beaucoup, mais ce sont les entreprises qui vous ont permis de garder vos emplois, d'utiliser la bande large. Il y a des compagnies d'aérospatiales, des compagnies d'auto qui ont fabriqué des ventilateurs. On a commencé, les fabricants de vêtements ont fabriqué des vêtements pour les infirmières. C'est l'entreprise qui ont
préserver l'emploi, contrairement à d'autres pays. Pourquoi? Moi, je connais des gens qui ont payé des employés à ne rien faire pour soutenir leur main-d'œuvre, c'est tout. Mais on n'en parle pas assez. Je crois que le volet équité est essentiel. L'infrastructure énergétique, c'est l'un des plus grands défis que nous ayons. Il faut avoir l'énergie, la capacité d'attirer les gens. Pour faire un port, ben, il faut construire le village qui est autour. On n'a pas l'infrastructure énergétique, ni même ici, Kingston. Bon, ça va être l'arrêt obligatoire pour les gens qui doivent recharger leur voiture électrique entre Toronto et Montréal. Mais c'est ça que je dis, on va trop vite. On ne pense pas aux conditions de réalisation des solutions. Moi, je suis très optimiste face aux collectivités autochtones, face à la bonne volonté de l'entreprise canadienne. On peut aller plus loin, on peut faire beaucoup plus, c'est clair. Mais ce sera possible si on a un gouvernement auquel on peut s'associer, qui ne nous met pas des bâtons dans les roues, qui ne nous empêche pas d'attirer des capitaux et de les déployer. Moi, j'aime beaucoup mon emploi parce que je crois que tout le monde se préoccupe de l'avenir du pays, mais quand je rencontre les gens, je dis, quels sont vos plans d'investissement aujourd'hui dans le monde? Et plus souvent qu'autrement, les investisseurs vont plutôt aux États-Unis où le capital est bienvenu. Et là où on peut faire plus de profit parce que c'est notre raison d'être. Et si on ne peut pas faire ça ici, ça nous nuit. Je vous demande d'y réfléchir. Qu'est-ce qui a été construit de grandiose au Canada? La plupart des bâtiments ont été bâtis dans les années 50 et 60. Après qu'on ait combattu deux guerres mondiales en se disant, bon, si on peut gagner la guerre, on peut faire plus chez nous. Nous, ça, c'est les choses qu'on tient pour acquis tous les jours. Les autoroutes sur lesquelles on conduit tous les jours, imaginez ce qu'il a fallu pour les construire. C'est ça qu'on a perdu de vue. Je crois que le Nord peut être un espèce de projet pilote, si on veut, une occasion de démontrer à petite échelle qu'on peut faire de grandes choses quand on travaille ensemble. Je vois qu'il y a une question dans le fond de la salle. Merci beaucoup. Moi, je viens de Calgary aussi. Je sympathise avec beaucoup de ce que vous dites concernant les guerres commerciales. Mais je suis curieux de ce que vous dites au sujet de la transition énergétique dans l'Arctique. Pour revenir à la question de la générale Strickland, comment établir un consensus ou un certain terrain d'entente par rapport à l'ordre des opérations, par rapport à la mise en place graduelle, parce que cette transition énergétique sera graduelle. À quoi est-ce que vous pensez, en gros? Excellente question, merci. Le résultat de la visite des Allemands, c'est que le premier ministre a été mis au pied du mur. On a dit, bon, on a renvoyé les gens chez eux sans rien, ils sont allés voir ailleurs. Donc, il faut accélérer la réalisation de certains projets. Moi, j'ai dit, d'accord, mettons-nous d'accord sur les projets qu'on pourra mettre en œuvre rapidement. Tous les projets de décarbonation, ça, c'est une évidence. Quelles sont les émissions du Canada depuis 2008? 1%. 1%. Entre 2020 et 2019, zéro. La COVID a très peu réduit les émissions, partout dans le monde d'ailleurs. Et on veut faire des réductions de 40% d'ici 2030. C'est demain, ça. Et pour y parvenir, il faut accélérer la réalisation de projets de décarbonation. Ça, c'est la priorité absolue. Le gouvernement nous a écoutés et je tiens à dire que s'il y a un point sur lequel on travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, évidemment, on n'aime pas tout ce que fait le gouvernement, mais c'est clairement le changement climatique. Ça, c'est sûr, avec la ministre Guilbeault, le ministre Wilkinson, la ministre Freeland aussi.
on a pu dire, voici de quoi on a besoin de votre part. Au bout de la ligne, c'est l'entreprise qui doit apporter les solutions novatrices. La séquestration de carbone, c'est un concept. Hein? Et bon, c'est un coût net. Hein? Ça ne se vend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On investit notre argent, votre argent en tant qu'actionnaire, pour séquestrer le carbone, parce que c'est la chose à faire. Et c'est ce que les gens s'attendent. Mais on a besoin d'aide. Le gouvernement nous a mis au point un crédit d'impôt de 50 %, ce qui permet de partager les coûts. Les gouvernements provinciaux ont intervenu aussi. Et c'est ça la stratégie d'innovation. C'est comme ça qu'on pourra innover de plus en plus par rapport aux solutions requises. Et l'hydrogène, le Premier ministre a dit on aura de l'hydrogène dans 3 ans et évidemment les Allemands ne l'ont pas cru. Les gens qui produisent l'hydrogène, c'est mes membres hein, et ils pensent que ça ne se fera pas avant 10 à 15 ans. Les gens, ils doivent se rendre compte de la quantité d'eau que ça demande. Hein? Et ça, évidemment, les environnementalistes vont réagir. Et le gouvernement du Québec a conclu une entente avec l'État de New York, pas un petit État, là, pas le Maine, pour réduire les émissions par l'entremise d'utilisation de l'hydroélectricité, ce qui est une bonne chose. Et les environnementalistes ont dit qu'il va falloir abattre des arbres dans le Maine pour faire passer l'électricité. Oui, oui, c'est vrai. Si votre programme, c'est de ne rien construire, dites-le tout de suite, parce que je crois que vous allez perdre le soutien de la population. Regardez ce qui se passe en Europe. Si la population ne suit pas, eh bien, les progrès sont bloqués. C'est pour ça qu'on construit des centrales thermiques au charbon en Inde et en Chine, parce qu'on ne leur a pas offert de solutions techniques. Ça prendra beaucoup de capitaux. Je demande au gouvernement quel projet le Canada peut accélérer pour que des revenus financent la transition. Sinon, le gouvernement va devoir tout faire tout seul. On ne peut pas prendre de risques dans l'environnement politique que je viens de décrire parce que les gens vont dire, je ne sais pas comment je vais être jugé dans 7 ans. Hein? Investissant 700, 800, 900 millions dans un processus? Non. Vous voyez pourquoi les gens résistent, pourquoi l'argent quitte le pays et ça va nous coûter cher. Moi, j'en sais trop, en fait, c'est ça mon problème, ça m'inquiète tout ça. Et ça devrait vous inquiéter aussi de voir comment élaborer les bonnes politiques pour que les choses bougent. En fait, on va accepter une dernière question des gens qui sont à distance. Alors, une bonne partie de les positions à l'augmentation des dépenses viennent d'économistes qui disent qu'il faudrait beaucoup augmenter les impôts. Il faudrait doubler les dépenses, en fait. Croyez-vous que l'entreprise, la grande entreprise au Canada appuierait cette augmentation? Nous sommes des partisans de la croissance. Nous croyons qu'on finance les choses grâce à la croissance. On a une économie qui est basée sur la croissance démographique. Le PIB du Canada sera directement proportionnel au nombre d'immigrants dans quelques années. Quand j'ai dit qu'on n'a pas de politique industrielle, quand on pense à l'Allemagne, la Corée, le Japon, quel est le dénominateur commun de ces 3 pays? 2 choses. Ils sont renés de leur cendre. Il a fallu une crise. Et ensuite, ils n'ont aucune richesse minérale. C'est leurs idées qui sont la base de leur richesse et ce sont des superpuissances économiques. Et nous n'avançons pas. On a donc besoin d'une stratégie de croissance. On a besoin d'une politique industrielle qui permet d'agrandir de la tarte pour pouvoir la redistribuer parce qu'évidemment, les ressources sont limitées. Après tout ce que je viens de dire, hein, les banques ont donné des mesures de soulagement pour les prêts hypothécaires.
Et la récompense a été un impôt sur les banques, 2%. Mais qui paye pour ça? La classe moyenne, hein? Parce que leurs frais bancaires ont augmenté. C'est absurde qu'on ne se rende pas compte que le résultat est contraire aux objectifs. Il faut développer la croissance. Il faut. Moi, je ne défends pas l'industrie du pétrole et du gaz, mais c'est 10 % du PIB. Il faut couper, si vous voulez couper ça, bien, oh, d'accord, mais regardez ce qui va arriver avec le système de santé, avec le système d'éducation. Hein, à quoi ça va ressembler si on coupe cette source de revenus? Il faut se diversifier, il faut développer l'économie pour que plus de gens payent moins d'impôts, au lieu que moins de gens payent plus d'impôts, parce que ces gens-là ont des choix. Ils peuvent partir, que l'on passe de capitaux d'entreprise ou de capitaux personnels, ils sont mobiles. Donc, tous ces fardeaux se retransmis. On est à 55 % en Ontario. Si on pense à la taxe sur les foncières, l'impôt, la TPS, la TVQ. Alors, qu'est-ce que j'obtiens en échange de ça? Pourquoi est-ce que je suis ici? C'est ça que les gens vont commencer à se demander. C'est vrai que c'est le meilleur pays du monde et tout, mais est-ce que le système de santé est vraiment si bon que ça? Est-ce qu'on a la meilleure infrastructure? Regardez les routes. Vraiment, là, c'est un défi là, pour tout le monde. Donc, une stratégie industrielle, une stratégie de développement. DARPA, c'est le ministère de la Défense. Tout ce qui sort de ça, toute l'économie a été bâtie sur la défense. Je crois que c'est une occasion pour vous, en reconnaissant que vous êtes des fonctionnaires et des non-partisans. C'est important que vous réfléchissiez à vos besoins, et parce que tout cela est un moteur de croissance. Merci.